Eh, salut YouTube! Salut YouTube! Non. Non? Bon bah salut quand même. Salut le chat. On va continuer Animal Crossing. Oh, c'est Tom Nook! Bonjour, bonjour, il est 17h16 en ce beau vendredi. Et c'est Tom Nook qui vous parle. Non mais c'est lui qui parle. Sans transition, les informations du jour. Oh ça par exemple, vous et les pommes creuses. Il n'y en a aucune, hein, non, non. Ah oh, enfin, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Passez une paisible journée à Niort-en-Mer. C'est tout pour cette fois, à bientôt. Aucune news, bébé. C'est vraiment un arnaqueur, ce Tom Nook. Hey, Eterna, salut. Mon petit bébé. C'est quoi en bas? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une fleur. Ah, en parlant de fleurs, faut que j'arrose mes fleurs. Mais c'est quoi? Faut que j'arrose mes plantes, bébé. Mais c'est quoi? Mais c'est ma maison. C'est la maison de Zerator. Et c'est parti. Mais non, mais je marche sur mes fleurs. Oh non. On arrose les fleurs. Hop. Ah, je suis celle du haut, elles ont pas eu. J'ai déjà un achievement. J'ai déjà une notif sur mon Tom Nook Phone. Oh là là, toutes les pommes. Oh, toutes les. Oh, ça y est, j'ai mes autres arbres fruitiers. Oh là là, il y en a partout. Oh oui. Non, non, pas là partout. Il y en a partout des fruits, bébé. Non. Mais si. Parce qu'on allait prendre des fruits chez les autres. Mais si. Non. Bon, d'accord. Mais non, mais il arrose sa boîte aux lettres, c'est pas possible. Alors. Arroser des fleurs. Alors. Ah, Eltan. Coucou, après avoir passé 2 jours à reboucher mon nid, j'ai trouvé ce cadeau qui m'a fait penser très fort à toi. J'espère qu'il te plaira. Ah, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Un tout papa. Ah non. Attends. Ah oui, tu veux prendre le micro et... Non. Ah, ne hurle pas dans le micro, je t'en supplie. Ah, supplie. Bon, elle a attrapé le micro, alors je vous préviens, baissez le son, hein. Eh, regarde, c'est le piaf. Yo, comment ça va? Bouyark. Oh, c'est quoi? C'est un petit oiseau avec un maillot du FC Nantes. Tu sais quoi? J'ai enfin un truc que même moi, j'ai du mal à soulever. Attends. Mais c'est lui qui parle. Et ouais, ça y est, j'ai une maison. Attends, papa. 4 murs, un plancher. Et même un plafond. Attends, papa. Je peux refaire du saut à la corde. Attends, papa. Sans déchirer mon doigt. Attends, papa. Au secours. Le petit oiseau. Alors, le petit oiseau, il est pas... On l'a laissé parce que tu lui as fait peur. T'as crié très fort. On arrose, hein. Ah, il y a un truc à... On va aller voir le hibou. Et c'est parti. Oh, il dort. Oh, c'est pas vrai, excuse-moi. Bonjour, Zerator. Attends, papa. Bienvenue dans le musée de... Attends, papa. Mais papa, il te raconte l'histoire. Non. Bon. En quoi puis-je t'être utile? Non. Non, mais bourre pas le micro, non. Regardez le hibou. On regarde le hibou. On va lui faire une donation. Ouh, formidable, comment tu donnais? Ah, une carpe, un capricorne, une limande. Ouh, ouh, tout ça, fantastique. Moi des fossiles, j'en ai pas, il y en a un dehors. Non. Ah non. Oh. Oh là là. Papa. Non. Ah, c'est la coquille. Petit escargot. Non.
Oh là là, tu veux rien faire aujourd'hui, hein? Oh! Oh! Oh là là! C'est un trilobite! Oh, ça va marquer l'histoire de l'île, hein? Oh non, plus tard, là, là, vu que bébé est pas motivé. Au revoir. Et la coquille? La coquille? Ah, on visitera le musée tout à l'heure, tu verras, c'est fou. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Alors. Elle en a marre de faire le rôle de mascotte de la chaîne. Alors, moi je voulais pas streamer cet après-midi, mais bon. Maman elle m'a dit, si, monte-lui le hibou à 10-20 minutes. Et lance un stream jusqu'à 19h tranquille. Bon bah d'accord. Mais si ça vous fait chier, j'arrête le stream, hein, y'a pas de problème. Alors. Hop. Hop. Ah le langage, zut. Voilà, mais parce qu'il m'énerve. Il m'énerve. Ah, je comprends pourquoi t'es énervé, c'est parce que tu regardes le chat. Ah non, mais ça c'est terrible. Je comprends pourquoi t'es énervé, bébé. Ah, attendez, hop. Ah, je peux pas entreposer ça. Ah oui, j'ai un vieux pneu. Mais qui du coup va m'apprendre une recette. Il va falloir qu'on... On a des trucs à vendre. Le hibou, il est au musée. Il fait pas dodo, mais il est au musée. Ma boîte aux lettres. Ah oui, parce que j'ai pas la place pour le cadeau. Qu'est-ce que... Ah bah oui, mais du coup, c'est toujours pas bon. Je dois regarder mon nook faune. J'ai arrosé des plantes. C'est énorme. Ah oui, je vois, c'est dans les arbres. Ok. On va aller voir les petits ratons qui nous poursuivent là. Petit raton laveur. Hein? Bonjour. Je suis bienvenue à la boutique Nook, c'est un plaisir. Oh non, un nain de jardin, quelle angoisse. Oh mais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, attends. Bienvenue, c'est Rater, qu'est-ce qui t'émène? Achète-moi des trucs. C'est quoi l'article phare du jour? Le tabouret en pierre. Le risson? Ah, il n'est pas encore installé, je crois. Il n'est pas encore là. Il est au Franprix. Alors, c'est parti, mon kiki! On va aller vendre les pois. Et noix de coco, est-ce que j'en replante encore? Ouais, de toute façon, je vais en avoir, donc... Oh, les pieds, les fleurs, je sais pas si je les garde, hein. Enfin, si je les plante ou si je les revends. Non, non, n'appuie pas sur le clavier, jamais! Qu'est-ce que tu fais? Alors... Qu'est-ce que tu fais? Seulement? Papa Noël, ah non, non, c'est pas Papa Noël, c'est un âme jardin. Il est pas beau. Mais oh, les fans de Zerator. Qu'est-ce qu'ils font? Merci beaucoup, beaucoup. Au revoir. Alors. On va planter des fleurs. Très bonne idée, bébé. Pourquoi je décore leur magasin là? Oh, il y en a partout des fruits, on va être riches. Alors, il faut que je continue ma symétrie parfaite, mais pas que je me bloque le chemin. Ah, c'est assez technique.
Regarde, on fait des trous. Et on met la fleur. Et là, on va mettre une rouge. Parce qu'après, on mettra la jaune. C'est technique. Et c'est asymétriquement symétrique. Elle a pas besoin de faire un trou. Alright. On arrose. Mais il va me falloir des arroseurs automatiques, sinon je vais péter une durite. Hein. Spoiler. Ici. Ah, mais j'avais pas respecté la même symétrie. Oh, mais elle... Ah oh. Et l'arbre, il nous gêne. Papa, il va manger une pomme. J'ai mangé une pomme, j'ai enlevé l'arbre, il m'embête cet arbre. Ah, du poire. Du poire. Ah, mais il y a un trésor là, juste à côté. Ah, des poires. Il y a un trésor là. Ah, des poires. Non, on ne voit pas. Non, je l'ai vu. Mais des poires. Oh là là, oui, il y a des poires, oui. Oh là là. Alors, attends. Mais tu es en train de bourrer le micro. Ah non, ça suffit, hein. je le mets super haut, comme ça t'arrêteras. Hein. Ah mais j'avais pas besoin de faire ça. Oh, c'est fou. Mais non, je voulais pas le mettre là. Oh non. Oh, c'est technique. Si le jeu était pas aussi imprécis. je vais pas m'énerver. Mais... Ok. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La rouge. Un autre. Il y a, hop, une rouge. Et une jaune. Et voilà. Un petit arrosoir. La tour. Et voilà. Eh, hey, on va ramasser des fruits. Alors ça, c'est passionnant. C'est parti. Regarde, on secoue les arbres. Oh, des poires. Et des cerises. Oh là là, on va être tellement riche. C'est indécent. C'est honteux. C'est quoi? C'est des oranges. Hop. Ah, il y a un papillon. Tu l'as vu? C'est des pommes. Et ça, c'est quoi? Les cerises. Bravo. C'est bon, les cerises. Et ça, c'est quoi? Un sapin. Oh là là. Des oranges encore. Et ça, c'est quoi? Oui. Ah, il y a plein de poires. Miam, miam, miam. Ah oui, la boîte aux lettres. Oh, non, mais attendez, mes fruits. Oh, il y a ça. Mais non, mais Kelly. Ah, c'est ça que je dois capturer, je crois. Hop. Oui, parfait. Petite notif. Faire expertiser des fossiles. Diantre. J'en ai fait juste avant. Regarde. Il y a un appel à l'aide. Help. En anglais. Au secours. C'est help. Oh. Qui? Et papa, c'est Daddy. Tu veux pas répéter aujourd'hui? T'es une coquine. C'est moi, Daddy DJ. DJ Daddy K. C'est des poires. Oh là là, on va être riche. Et des oranges. Voilà,
Ça va être un stream du Nord, on va ramasser des fruits. C'est vraiment le meilleur jeu du monde, hein. Ah ouais, mais je vais être tellement riche, c'est un dessin. C'est 500 balles chaque fruit qui n'est pas originel de mon île. Donc tout ce qui n'est pas des pommes, quoi. C'est indécent. Oh là 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 là. C'est la fête. Oh, c'est quoi ça? C'est nouveau ça. Super! J'ai attrapé une cicindelle. Est-ce que quelqu'un se soucie d'elle? Dans la poche. Prends des oranges. De quoi? Le hérisson? Le hérisson, il n'a pas encore installé sa boutique. Ah, quoique, depuis le temps, peut-être, en fait. Je sais pas où il est. Oh là là, et encore, je prends pas les pommes, bébé. Hein. Appuie pas sur clavier. Si tu tiens à ta vie. Non! Ah, non, non, c'est interdit. Interdit, ça. Bouh. Oh là là, mais on... On va faire que ça de nos journées, hein. Il tombe pas tout seul si on s'en occupe jamais. Ça serait pratique. Non, non, non. Pas le clavier. Ah non. Oh, j'en ai partout des oranges. Oui, c'est la maison de Micheline. On va aller voir d'ailleurs. Il faut qu'on dise bonjour à tout le monde. Et en plus, on a une nouvelle voisine maintenant. C'est Nadia. Elle a l'air bien relou. Elle s'est vendue comme quelqu'un de relax. Mais c'est une fofolle. Mais elle est où sa maison à Nadia d'ailleurs? Est-ce qu'elle s'est déjà installée? Oh! Ça me plaise de voir ta bouille. Fais comme chez toi, pas de chichi entre nous, badaboum! Salut, ça roule? Désolé, mais quand j'ai pas mes heures de sommeil, je suis bougonne. Faut que je trouve un moyen de me redonner un peu de peps. T'as une suggestion, badaboum? T'as pas un footing? Du sport, pourquoi pas? Je m'attendais pas à ça venant de toi, mais si tu y es. Jamais nourri un amour délirant pour ces histoires d'exercice, mais faut reconnaître que ça réveille. Ouais, ouais, je vais m'y mettre. Viens demain, badaboum! C'est quand Speedon, c'est aujourd'hui. Parti là. Alors. Hop là. Et hop, un fossile. Oh, on n'a même pas pris les pêches, bébé. Oh, JPP. Non. JPP. Non, pas JPP. D'accord. Tu as raison, bébé, restons positifs. Mais il est où le dernier fossile? Bon, on va retourner voir le hibou. Oh non! Non, les fleurs! Oui. Oh, c'est pas vrai, excuse-moi. Alors. Avec expertise des fossiles. Ah ouais, là, il est réveillé. Il faisait dodo, mais on l'a réveillé. Hop là. Rien que cela. Oh là là, c'est encore des exclus, des nouveaux fossiles. Oh, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire, bébé. Ah oui, non, c'est B pour qu'il a... Il arrête de parler plus vite. Je vais faire une donation. Hop là.
Un bassin de Diplodocus et une coprolite. Oh, on va bientôt visiter le musée, parce qu'à mon avis, ça commence à être très impressionnant. Au revoir. À demain. Le coprolite. Du caca fossilisé. Énorme. C'est du caca. Oh, il y a un truc là. Non mais, il y en a. Mais c'est les palourdes japonaises. Va falloir faire des appâts avec. On va faire des appâts avec ça. On va reboucher les trous, on n'est pas des animaux. Hein. C'est pas comme chez Mintos et Eltan où il y avait plein de trous. Hein. Ouais, les noix de coco, elles ont pas repoussé. Aïe aïe aïe, mais je les ai revendues. Ah non, mais ça, c'est un nouveau cocotier. Mais j'aurais dû... J'aurais peut-être dû replanter les autres. Oh, les noix de coco. Oh là là. On se met bien, là. J'ai de la place. Ah, difficilement, mais... Ah, t'as pas goûté, ça, encore, les noix de coco. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais il y en a que deux. Ah oui, j'aurais peut-être dû planter... Ouais, j'aurais dû me faire une plage full cocotier. Il y en a que deux, pas trois par arbre. J'ai planté mon bambou aussi. Grâce à Eltan. Et que 200 les cocos, ça coûte moins cher. Ah. Mais c'est terrible, si tu commences avec les noix de coco, tu te fais voler. Est-ce que quelqu'un peut commencer avec les noix de coco? Ça fait pas partie des fruits de la rotation. Alors. Oh, il y a un truc qui brillait là. C'est pas ce papillon. J'ai vu un truc briller succinctement. Mais j'en avais déjà un petit de la. Non, j'ai dû halluciner. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, j'espère que je l'avais. Bon, on va déjà vendre des fruits. Hein. Bébé. Bienvenue! C'est quoi ce truc rouge au sol? C'est mon sticker. C'est un de mes stickers. Oui! Oui! Ils vont m'acheter des fruits. Oh, alors là, c'est énorme. Oh là là. Ah non, mes pommes, faut que je les garde quand je vais chez quelqu'un d'autre. Oh là là, alors là, bébé. À quoi que des cerises, j'aurais pu... Non, bon, c'est pas... Là, ça va être insane. Hein. Ce feuillu là, est-ce que j'ai envie de le replanter? Bif bof quoi. Hop. Mais plante les noix, les vends pas. Non mais j'en aurai d'autres, c'est bon. Oulala. Ouh. Ouh. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, tu veux qu'on achète le nain de jardin immonde? On l'achète le nain de jardin? Oui, elle fait oui de la tête. Aïe aïe aïe. Ah oui, je veux ce nain de jardin. Par contre, le service à thé, il est trop classe, hein. C'est typard. Hein. Oh là là, c'est moins cher que gratuit. Bon, on pourrait rembourser notre prêt. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais maintenant qu'on sait qu'on est archi-riche à volonté avec nos fruits. Oh, la jolie ombrelle de papier. Plan de hache. Non mais... Papier cadeau. Plan de perche. Non mais moi j'aimerais le... Mais c'est pas là le papier peint, c'est à côté. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait pas du papier peint. Il faut leur parler peut-être. Ah non, mais c'est chez nous qu'on achète. R. L et R. Ah oui, idiot, merci. Merci à vous. Alors, oui. Quoi, mais il est immonde ce papier peint. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas en train de refaire mes toilettes. C'est honteux.
Ah, Eltan, il avait un truc BDSM en mode un peu Bordeaux, sombre, classe. Ok. Au revoir. On va aller chez Tom Nook. Mais elle est où, Nadia? On l'a, celui-là? Ah oui, je viens de le récupérer. Ah non, non, c'est... Ouais, bon, bref. Pas... C'est un papillon, on attrape des papillons. Papillons de lumière. Est-ce qu'on a déjà pêché à 16 heures? Ça se trouve... Hop. Bon, sans contraint que c'est une carpe, hein. Enfin, deux contraints, plutôt. Un bar. Impression. Allez, c'est parti. Youhou. On doit chercher des fossiles. Et des bambous là-bas. Attends, il y a un truc là. Et non. Ah. Parfait, notre troisième fossile pour notre quête du jour. Enfin, notre quête du moment. Youhou. Faudrait qu'on trouve un drop, bébé. Pour planter des arbres à clochettes. Ah non, faut que ça soit dans le sol, si on le trouve dans le sol. Oh. Alors attends, donc du coup le bail. C'est un sac de 1000 clochettes. Est-ce que ça vaut le coup de le replanter? C'est pas dingue, non? Mais non, je voulais pas planter un pommier. Mais quel idiot! Au secours! Je voulais manger la pomme pour déterrer l'arbre d'à côté. Ah, mais je peux planter 10 000, mais comment ça? Je peux faire des sacs de pognon? Ah! Oh non, mais je suis au bout de ma life! Oh, je suis au bout de ma life! Oh, je suis pépé! Oh non, pas j'ai pépé! D'accord. Alors, ah, ça c'est un petit poisson rouge. Deux contre un que c'est un poisson rouge, bébé. Mais... Il avance au moment où je balance ma canne. Quel prankeur. Oh, ça va prendre 1000 ans. Sauvez-moi. Oh oui, vas-y, tu l'as vu. Oh, mais on l'a, ça. C'est une bouvière. Oh non, ah oui, d'accord, donc n'importe quel truc, j'ai juste à planter mes 10 000 clochettes et c'est y part, quoi. Mais c'est monstrueux. Sauf que là, évidemment, j'ai pas fait parce que j'ai planté une pomme. Je suis deg. Ok. Oui, seulement dans les trous dorés. Non, mais je suis au bout de ma vie. Ensuite, les trous dorés, il y en a plus ou moins un par jour, j'espère. Sinon, là, je suis vraiment écœuré, quoi. Oui, ah, très bien. Mais c'est dommage, hein, quand même. Allez, on tape dans le caillou. Oh, oh, bah, il y a du pognon dans mes cailloux. Ah zut, j'ai pas fait la technique de bandit d'Aeltan. Ah, c'est comme l'arbre de Mario. Comme les blocs de Mario. Est-ce que j'aurais pas intérêt à récupérer du bois aussi? Un fossile! C'est pour le hibou. Oh, ce coucher de soleil, hein. On voyage. Oh, attendez. Chut. Mais... Ah non, ça marche pas comme ça. J'y ai cru. Tu veux y aller? Non. Oh, un message. Ah, c'est une recette. Bravo, tu as trouvé le trésor. Je lisais des BD peinards d'hier quand ce plan s'est frayé à un chemin dans mon esprit.
jusqu'à mon esprit. Et comme tu as trouvé cette bouteille, tu l'as gagnée. Bonne séance de bricolage, paillettes et laser. Un miroir plein pied en bois. Ah, ça sera très beau, hein. Ça sera très beau, hein. Mais je le connais déjà. On va le revendre, alors. Mais c'est quoi, ça? Ah non, il y avait déjà le ponton. Tu veux partir? Oui? Ok. Ah non, non, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je vais descendre. Attention, attention, il y a le câble. Il y a le câble du casque. Mais... Attendez, j'arrive. Non mais elle se barre, elle, je lui dis tu vas voir maman, elle me dit oui et ensuite... Non, regardez. Tu veux regarder de là? D'accord, elle veut regarder debout près de la porte. Bon, en même temps, j'avais bien chaud, hein, donc c'est pas trop grave. Tu vas où? Maman. Ah. Ah non, elle dit à maman qu'elle regarde. C'est très important. Ah! Oh! Hein? Qui fait dodo? Ah, Toto, elle est en train d'engueuler le chat, d'accord. Mais laisse ce pauvre chat tranquille! Au revoir, à plus tard! Des bisous, hein! Très bien. Hein? Papa, il ramasse des fruits. Hein? Alors, j'ai ramassé tout ce qui n'était pas des pommes. Non, mais il faudra que j'aille chez quelqu'un, finalement. En plus, j'ai des codes amis à rajouter. Mais qu'est-ce que... Oh non, non, non! Tu n'abîmes pas le fond vert, j'avais dit non, hein. Ça suffit, hein. Ah zut, il fallait que je fasse la technique de Gueudin. Mais maintenant que j'ai tapé une fois, c'est fini. La technique de Gueudin est invalidée, non? C'est parti. Ah non, c'était des coups de pioche, c'est ça, là. Et voilà, en fait, il y a un temps limité. Ma vie est nulle. Ma vie est full nulle. Tu vas faire pipi sur le pot? Comme une grande? Ah non, tu vas pas faire pipi dans les toilettes à côté, mais non, pas encore. Et l'hibou! Ouh! Ouh! Le hibou! Alors. C'est Tipa. Au revoir, bonne journée! Bisous, hein! Allez, bisous! Attention à ta main! Ok. Au revoir! D'accord. À plus tard, ciao! Bon, elle fait des allers-retours. Alors. Ah, et deux fossiles, et en plus, on valide une quête de notre ami Tom Nook. Ah, il faut que j'appuie sur B, sinon ça dure 1000 ans. Mais là, donc, on remplit le musée, mais il n'y a plus de, comment dire, de milestone à atteindre dans le musée pour qu'il me donne des trucs. Oh, non. Barberose 2, Lumimax, Bethume, Falco Pops, Inaudit, Black Boulogne.
Merci pour les subs. Merci Roy pour le siècle. Merci pour tous vos resubs. Désolé, c'est un peu compliqué de tout suivre. Planter des arbres. Ah bah zut, j'avais mon feuillu mais je l'ai revendu. J'ai pas vendu mes fruits. Il y avait un truc qui saute. Alors lui je l'ai déjà, mais c'était l'autre truc qui m'intriguait qu'on a vu au loin. De toute façon je dois passer chez les idiots encore. Yep. Ah, le Capricorne des agrumes, on connaît maintenant. Il m'a l'air plus grand que les autres, mais non, c'est notre arbre. Ah, ils m'ont pas dit super, j'avais déjà pris un grand planeur. Oui ? Non, on va pas chercher l'aspirateur, de grâce. On l'a déjà passé tout à l'heure. Mais non, on va pas chercher l'aspirateur, ça n'a aucun sens. Ok. Achète-moi des trucs. Alors. Ah, magnifique pêche. La bouvière, le capricorne, le bar, le papilio. Bon, s'ils m'ont pas dit super, c'est que normalement... Ah bah c'est bon, je peux planter un pommier. C'est que normalement, non, quoi. Je me travaille avec mon pneu. Ah, le plan, j'ai pas mis le plan. Idiot. Il faut que je fasse attention à pas dépenser 99 000, sinon je suis perdant. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des doudous? Oui. D'accord. Tu pourrais m'expliquer pourquoi ils sont en petit pagne de bain? Qu'est-ce que tu fais? 200 clochettes. Maintenant, les palourdes, je peux en faire des appâts, il me semble. T'as fermé la porte, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au revoir. Au revoir. Tu. Alors. Ah, le défi FTL a été à... Ok. Pour le marathon finement, on va essayer de faire ça, hein. J'ai négocié. Speedrun, hein. Speedrun de FTL demain à partir de 19-20h. C'est parti, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que c'est infaisable en une session, je pense. Parce qu'il faut unlock les vaisseaux, il y a quand même pas mal de choses à faire. Oui? Comment ça? Ah! Comme ça, presque comme RDR2... Red Dead Redemption. Comme ça, ça sera presque comme Red Dead Redemption 2 et les gens arrêteront de se plaindre. Qu'est-ce que c'est? Amy, tu m'as donné un choual? Attendez, du coup, je prends le cadeau d'Aeltan. Qu'est-ce que c'est? Oh, le cadeau. Mais non, mais pas lâcher, non d'un... Oh, y a même un paquet cadeau, quoi. Une poubelle à roulettes. Alors ça, c'est très bien. Ça, c'est Aeltan. Oh, une chemise western. Mais hélas, je sais. À moins que je puisse customiser la chemise pour la rendre Zerator. Non. Normalement, on peut customiser les chemises. Oui? Attends, papa, il pose une poubelle à roulettes. Ah, mais non, mais ça, c'est une poubelle pour dehors. Non, mais quand même, on n'est pas des animaux. Ah, attends. Ah, mon... Tout par terre, évidemment. Magnifique. Mon service à thé. Évidemment, il a foutu pas là où je voulais. Non! J'adore taper dans le fond vert, hein. Ça me dit rien qui vaille. Non, non! Elle arrive, elle lui fout des grosses tartes. Non, on ne... Non. Non. Ah oui, alors.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais! 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 Mais non! Eh, eh, eh! Au revoir! Alors. Mais on la voit pas, mes poubelles. Et je suis obligé d'enlever ces arbres parce que ça gâche la vision sur mes poubelles. Et de. Mais! Et en plus, je vais replanter un arbre, donc c'est parfait. Voilà, mais par pitié, qu'on voit ma poubelle, quoi. Mais! Au revoir, bonne journée! Au revoir! Magnifique, hein. Est-ce que je peux mettre. Ah oui, mais ils vont pas me laisser mettre le nain de jardin là, ce qui est très triste, hein. Ah si, c'est ridicule. Alors. Mais. Ok. Ah, mais il y en a encore. Alors. Non. Alors. Alors. Mais ça n'arrête pas. Ok, c'est bon là? Oui. Oui. Oh, je sais plus ce que je devais faire. Oh, YouTube va se plaindre encore. Il va dire, mais putain, pourquoi il a fait un gosse? Pourquoi il a fait un gosse? Les VOD sont. Non, mais je sais, bébé. Non, mais oui, mais évidemment que personne n'aimait le gâteau, mais quand même. Alors. Mais c'est vraiment fantastique ce que tu fais. Ah oui, moi je suis comme les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles Montessori. Oh oui, c'est formidable, tu joues. Oui. Tu joues avec ton caca et tu en mets partout sur les murs, c'est formidable. Tu t'exprimes, quel formidable. C'est formidable, un enfant qui s'exprime, oui. Alors. Ah, magnifique chemise western, magnifique. Non mais... Oh ouais, c'est bien, tu t'exprimes, c'est vraiment super. Hé, hey, hey, super, hé hey. Qu'est-ce que tu fais? Ah non. Ah la lampe. Ah, y'a maman qui monte, elle a entendu, hein. Elle a entendu que bébé, elle tapait partout. Ah. Tu vas te faire bolosser par maman. Alors. Non. Ah bah oui, hein, parce que papa, quand il joue à la console, bon, hein. Il veut bien que tu fasses un peu n'importe quoi, mais... Maman. Oh là là. C'est l'insurrection. Bravo, tu t'exprimes, c'est vraiment incroyable. Alors... Maman. Allez, tu vas voir maman. Non. Oh mon Dieu, mes oreilles. Alors... Tu vas faire du dessin avec maman? Oui, bah oui. Tu me fais un bisou? Comme d'habitude, non. Tu vas faire du dessin avec maman? Oui. Tu descends toute seule. Au revoir. Bisous. Oh, le bisou qui vole. Oui. Alors. Ok. Ah. Alors on en était où? Je sais plus. Si je dois planter un arbre, c'est super important. Ah non, c'est trop près. I remember. Mais en fait, avoir tout... Est-ce que ça a un intérêt d'avoir des arbres non fruitiers? Vu que de toute façon, sur les arbres fruitiers, on récupère aussi du bois. Non, oui. Ah. Ah, il me donne pas l'achievement parce qu'il faut que ça soit un nouvel arbre. Oh, misère. Pour l'or et les meubles. Je peux avoir un meuble par jour.
Ah, oh, j'ai pas du tout, j'ai pas bien exploité mes rochers. Hein. C'est honteux. Ah oui, on peut remettre... Enfin, j'ai envie de remettre la cam, mais je vais gaffer la porte, hein, parce que si bébé revient à n'importe quel moment... Alors quoi qu'on a 45 minutes de VOD, donc on fera ça après. Hein. Et si je veux refaire une île mystérieuse, là, j'ai juste à racheter un ticket Nikamouk. Je pense qu'on va faire une pause et acheter un ticket Nikamouk. Merde ! Pardon, oh putain, je m'y attendais pas. J'étais en train de regarder tout à fait autre chose et il a mordu direct pour une fois. Comment t'agrandis ton inventaire ? C'est un truc qui coûte 5000 miles, c'est savoir s'organiser là où je sais plus quoi, c'est un plan qu'on achète avec les miles. Oh mais encore cette maudite bouvière. Et cool ma canne à pêche. Ah c'était un cadeau. Cadeau de Ennie je crois. Mais dans les îles mystères, il n'y a jamais de magasin. Si je veux, me faire de l'argent comme Jaja, faut que j'aille chez un ami. Chez un ou une amie. On est d'accord. Une loge des temps, j'avais déjà eu une loge des temps. Mais elle est où Nadia? Ça, ça m'énerve. Nadia, elle devait venir sur mon île. Pourquoi je m'acharne à prendre ces poissons alors je sais pertinemment que je les ai déjà? Une vendoise. Ah mais oui, bien sûr, parce que je pensais à mon achievement. Abattre des arbres. Attendez, ça tombe bien, j'ai planté un truc qui m'énervait. Attends, c'était pas un fruitier celui-là? Je m'excuse auprès de toute ma commu. Je vais laisser la souche, il y aura peut-être des insectes fous. Quoi, vendre des fruits? Non, me faites pas ça. Diantre. Ah, bricoler, faut bricoler. C'était quoi le pêcher? Je vais bricoler des appâts. Pêcher une carpe. Ah non, j'ai pas joué à Doom Eternal. Faut que je fasse Doom 2016 avant. J'ai montré Doom Eternal. Maintenant, je sais que j'ai envie de les faire. Madame Flamingo? Un flamant rose? C'est énorme! Ah zut, j'ai des palourdes Jap dans mon entrepôt. Oups. Oui, le défi de Zerator, j'en ai parlé il y a 5 minutes. On le fera demain. Ok. Alors. Une poêle. Mais à quoi ça va me servir la poêle à frire? On se cuisine jamais des trucs. Oh, y a pas un truc mytho que je peux faire? Ah oui, alors mon pneu. Je peux faire un jeu en pneu. Alors ça, si c'est pas la loose, c'est parti! Ok. Vendre des coquillages et crustacés. Bon d'ailleurs, je vais continuer à rembourser mon prêt parce que... Oh mais j'ai tellement de miles. Ah zut, hier on n'a pas checké, j'ai reset mes points bonus Nikamouk. Allez, j'utilise le DAC et je dab. Rembourser le prêt. Allez hop, clochette en poche. Tiens. Prends ces... Oh, je peux donner plus. Prends ces 60 000 balles. On avance sur ce dossier épineux.
Qu'est-ce qui pourrait être bien à prendre? Parce que mes miles, ça sert qu'à ça, on est d'accord? Alors... on peut en stocker plusieurs, ça, ou... le ticket, c'est worth. Alors ça, c'est Osef, Osef tiers. Oh, le sol nook, moi j'en suis, hein. Ah ouais. Des motifs perso pour les pros, le top des coiffures papa. Est-ce qu'il y a des trucs les motifs perso, ah c'est pour pouvoir modifier plus de choses, non? Genre les casquettes. Garde tes miles. Oh, trop tard. Ah yes, Defty. Ouais, Floop, c'est un bon gars. Très talentueux. Alors. Attendez, comment c'est la version pro? Modifier la palette de couleurs? Comment ça? Oh là là, ça y est, je vais devenir un pixel artiste! Grâce à Animal Crossing. Attends, mais qu'est-ce qui a changé techniquement là? X. Oh là là, oh pff. Ah oui, oh là là, je peux... je fais un U saturation sous Photoshop. C'est énorme. Ok. Bravo. Ah, c'est le truc à droite qui est nouveau. Ah, R, motif pro. Oh là là! Oh oui, des Marcel. On peut enregistrer sous nouveau. Je vais faire la casquette ZT. Ah ouais, non, mais ça serait dommage de complètement l'éradiquer, ce truc, parce que ça doit être galère à refaire une casquette à rayures. Sinon, je peux faire ça, modifier. Ah, voilà! Parfait. Je prends une casquette. C'est incroyable. Et là, sous vos yeux ébahis, la casquette ZT. Pour continuer, évidemment, à raconter cette histoire si émouvante de Adrien. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a ça en plus? Ça dégueule où, ça? Oh là là, c'est vraiment un grand moment de stream, une fois de plus. Ah mais pourquoi? Mais pourquoi? Hein? Oh là là, attendez. Mais comment je passe, comment je fais le reste de la casquette? Comment je fais le reste? Clic R. Ah merci. C'est incroyable, on est en train vraiment de vivre des moments anthologiques. Mais ils m'ennuient avec leurs pointillés, c'est bien mignon, mais... ça m'ennuie. En vrai, on s'en fout, vu que ça n'existe pas. Mais j'y vais quand même. Oh là là. T'as un truc pour tout remplir dans les outils. Je tiens à m'excuser auprès de ma commu. Bon allez, c'est parti, hein. C'est pas trop gros, ça. Il y a peut-être moyen de se démerder avec ça. Oh, c'est technique. Mais non, mais c'est beaucoup trop... oui. Parce que le Z, sinon, il va être trop gros, donc fallait l'excentrer. Non, mais... la dernière fois, je le faisais avec un modèle. C'était plus simple avec le modèle. Et comment déjà, ce truc de mort? Plus simple avec un modèle. Mais non, mais... bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Mais non, mais... ah oui, il y a un undo.
Ah, mais il n'y a que un undo. J'ai un undo avec une historique de 1. Un historique de 1, au secours. Ok. Mais... Oh, le D-pad, hein, mais quelle honte. Quelle honte. Il était où? Il était à droite, je crois, et puis il fait comme ça. Mais pourquoi il est dégueu? Ah, parce que ouais, parce qu'elle dégueule. Fallait mettre le Z plus haut parce qu'il dégueule. Ah, mais attendez, alors est-ce que je peux déplacer le motif? Hein? Ah ouais, ah non, mais c'est vraiment extraordinaire. Quel jeu, on voyage! Ah, merci. Merci pour le motif. Ah oui, ça va pas du tout. Ok, merci. Mais fallait peut-être plus partir sur 3 de largeur. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à en parler dans les coms, hein. Alors, attendez, je regarde. Le Z, il est coupé. Il a une oblique, le Z. Il a une oblique. Ouais, on dirait. Hein. Putain, je vois mal. Je l'avais mis en grand la dernière fois, c'était mieux. Ah, voilà, ça commence à avoir de la gueule. Ça change tout. Bon, sauf que la casquette en elle-même, elle est dégueulasse. Mais bon, j'ai pas le temps, hein. Adrien. Adrenin. Putain, mais le D-pad, quoi. Adrenin 2. Oh là là, incroyable. On y est. On s'y croirait. Ah, mais du coup, j'ai plus intérêt à le redescendre maintenant. Très important. Le rond vert, mais non, pas sur la casquette. Oh là là, mais par pitié, ah, ça se voit que vous êtes pas du design game. Sur le t-shirt, le rond, mais jamais sur la casquette. Les gens ne comprendraient pas. Par contre, on peut faire une chemise ZT, hein. Non, mais non. On peut modifier la visière. Ah, vous voulez qu'on modifie la visière? Ah, vous êtes vraiment déterminé à vous emmerder. Eh bien, c'est parti. Regardez bien, je vais mettre une lisière. Une lisière. C'est parti, hein. Là, vous l'avez... Je sais pas si vous l'avez voulu, mais vous allez l'avoir, hein. Ça c'est sûr. Mais pourquoi je la vois pas? Ah si, ok. C'est pas normal que je... Ah, c'est immonde. Mais pourquoi sur le côté? Attendez, pourquoi? Ah ouais, non, mais c'est très discret. Ah ouais, d'accord, ça va être... Oh, quelle angoisse. On est parti dans un plan cul, hein. De toute évidence, on est parti dans un plan cul. Est-ce qu'on a envie de faire... Mais est-ce qu'on a envie de faire aussi la lisière, là? Ne vous inquiétez pas, hein, évidemment, c'est normal. C'est comme la musique. C'est normal qu'on a posé deux claps, que ça soit nul. Ça, je le rappelle évidemment à toutes celles et ceux qui vont dans les streams musicaux. Pour casser les couilles! Alors! Très bien. Alors. Attends, mais on voit pas mon truc. Mais je comprends rien. Enfin, si, je comprends que c'est dégueulasse, ça c'est sûr. Ah, mais attends, mais pourquoi on fait pas des lignes? Ah, c'est parti. C'est parti. Y a pas un truc pour clean? Clear, 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 clear. Tout remplir. Mais sinon, je fais ça. Pourquoi je me prends la tête? Et voilà.
Merci à tous. Pourquoi j'ai voulu me faire chier à faire. Ok. Voilà. Ah bah allez, oh alors là, eh, franchement, je pense que même Adrien là, il voilà, faut te pardonner. Faut t'avouer, faut te pardonner. Là, on rend vraiment hommage. Hein. Royal. Ah, vous pensez qu'on peut éditer le petit rond? Non, mais là, vous en demandez trop au jeu, hein, je pense. Vous pensez que je peux éditer? Ah, si! Très juste! Oh là là. Ah, mais oui, il est là! Il est là! Oh là là, mais c'est incroyable! Oh là là, mais c'est le meilleur jeu, hein! Oh, JP tellement P. Oh, on va... Faisons un selfie avec Tom Nook et envoyons ça à Adrien. Alors, attendez. Bon, faut que ça soit plus de haut, parce qu'on faut qu'on voit le ZT. Voilà. Voilà, Adrien, là, potentiellement, peut être content. On va se mettre un petit filtre. Celui-là est pas mal. Celui-là, c'est voilà, des couleurs froides, un petit peu comme si Timo prenait la photo. Voilà. Magnifique. Un petit zoom peut-être sur l'action. Alors, il faut qu'on voit ce ZT, hein, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, il y a des trucs de golf, ça fait golf fit. Le pantalon est moche. Ah! Mais pourquoi elles sont tout le temps floues les photos? Ah, ça c'est vraiment du contenu de qualité hein, pour YouTube. Qu'est-ce que... Ouais non mais les survettes j'ai rien là. Les bas de survettes j'ai que dalle. Hein. C'est pas d'actualité hélas. Bouton R? Comment ça? Ah j'ai pas encore les... le bas. I don't have the jogging. Bon, ça ira déjà. Je pense qu'il sera très ravi de ce selfie. Mais comment je l'envoie? Comment je tweete ce selfie? Ou comment je l'envoie sur ma boîte mail? Je suis obligé de prendre une photo comme un con avec mon téléphone. C'est ça que vous allez me dire au final. Eh bien, c'est parti. Prendre une photo avec mon téléphone comme un gros con. Au linker mon compte social, plutôt mourir. Mais cette photo prise sur portable, avec cet iPhone gagné grâce à la commu, sera parfaite. C'est bon. J'enverrai le tweet à Adrien à la pause. Alors. Tu ouvres la galerie sur la Switch, tu fais envoyer. Mais envoyer à qui? On m'a tweeté depuis moi Switch, et puis quand encore? S'il vous plaît, respectez-vous de grâce. Bon. Bah moi je sais toujours pas ce que je devais faire en tout cas. Hein. Mais si je voulais acheter un ticket Nikamook pour faire une île mystère. Oh il y a des cerises à nouveau. Mais en réalité... Faudrait que j'aille vendre mes milliards de pommes chez quelqu'un. Peut-être qu'on ira en visite. Comment je vois mes amis? Ah, on pourrait aller faire chier Eltan. C'est notre petit secret. Attendez, est-ce que j'ai de la place? Pas trop, en fait. J'ai déjà un ticket, mais j'ai utilisé un ticket avant. J'ai utilisé un ticket vu que j'ai eu Nadia. Aïe! Encore des mails? Mais non! Ah! Cher Zerator, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi et j'ai donc décidé de te faire parvenir un petit cadeau. J'espère que tu auras plaisir à recevoir ce modeste pantalon de jogging. Ah merci! Merci! Madame Flamingo. Non mais non, je peux pas le mettre parce qu'il y a boîte aux lettres. Sinon, j'aurais pu faire une symétrie parfaite avec mon nain de jardin.
Ok, c'est ce que je craignais. Bon, on reste dans le thème ici, faut que je mette le jeu de pneus à côté de la pompe à essence. Oh, ça devient difficile d'accéder à mon logis. Ah, je peux déplacer la boîte aux lettres? C'est non. Non! Mais non, pas les fleurs, con de lui! Et il veut pas, hein. Ok. J'ai pas encore les skills pour déplacer ma boîte aux lettres. Merci AZ qui a offert un sub. Merci Nerciman, Sir Nono, le repos des guerriers, Bizarroïd, Boule qui chamboule pour les subs. Merci pour tous les subs. Attention, vous êtes prêts? Je pense pas que vous êtes prêts. Au secours. Comment je change mon papier peint? Vers le haut? Non, c'est la lumière, ça. Au secours. Utiliser directement. Mais je l'avais acheté, non? Mais il est où le papier peint que j'ai acheté? Mais JPP. Mais JPP. Ah d'accord. Ah mais non, mais pas le legging vert quand même. Oh, il va pas comprendre. Il y a plus un noir que je puisse éditer. Oh, ce style. Ok. Ah mais sinon oui, d'accord. Mais... je le recevrai que demain, mais c'est terrible. Ok. Ok, j'accepte. J'accepte la sentence. Bon allez, je vais le garder pour l'instant parce que c'est vraiment immonde. Merci pour ce cadeau. Ah mais non, je devais le planter, ça, idiot. Idiot bête. Oula. Oula, j'entends un bébé. Il faudra que je vende tous mes animaux, un de ces quatre quand même. Hein. Oh, je vais planter un pommier chez Aeltan pour me faire pardonner d'avoir mis des trous. J'espère qu'il y aura moins de trous chez lui. Hein. Et c'est parti pour aller chercher 12 000 pommes. Et ensuite, je pourrais mettre fin à cette VOD d'1h15 sereinement. Ah, mais en vrai, il est 18h24. Ah bah, ça va être la suite au prochain épisode. Hein. Oh, c'était vraiment une VOD passionnante. Ah, la nuit tombe, terminons de cueillir nos fruits. Oh, c'est quoi ce truc là-bas? Chut. Qu'est-ce que c'est? Oh, je vois rien. Mais je l'ai capturé juste avant, celle-là. Oh, j'espère que je vais pas me faire attaquer. Je vois rien. Oui, c'est la 6 en elle. Ok. Je vais faire le défi FTL. C'est quoi? Tu peux m'en parler? Tu peux me décrire ce que c'est? Non, je plaisante. Oui, on va le faire. C'est juste que... il y a une personne qui drop toutes les deux minutes pour demander. Alors qu'on répond à chaque fois. Ah Ben, alors moi écoutez, s'il y a quelqu'un qui est très content de cette nouvelle, c'est bien Ben. Car je vais partir sur un stream de 15h de FTL.
Mais ce qui me fout la rage, c'est que le lendemain, je sais pas si je pourrais négocier de retourner sur le stream FTL en étant explosé après 4 heures de sommeil. Que ma femme, évidemment, s'occupe de ma santé. Ça veut dire que je vais me faire chier à avoir une cadence d'enfer au début, pour au final ne pas gagner le défi parce que j'aurais pas streamé comme un no-live 24 heures. Terrible. Ensuite, c'est vrai que ma santé part en lambeaux, donc c'est pas plus mal. Hop là! Oui, par contre, FTL, pour bébé, je pense qu'elle va vite s'ennuyer. Hop! Mais non, mais non, chope le truc, chope... Délire! Gros délire! Pourquoi je la prends alors que j'en ai pas besoin et chez Eltan... Ah! Des oranges. Je pourrais revendre aussi les oranges à Eltan. Eltan, lui, il avait eu des pêches, je crois. Je crois qu'il a start pêche. Ensuite, je dis ça... La prochaine fois que je rejoue à un jeu, ça se trouve, ce sera chez Amy ou chez Cross. Ah, je suis assez fier de mon pixel art. Mais ouais, avec une chemise, si on peut éditer les manches, on pourrait rendre ça moins dégueulasse. Parce que là, bon, le cercle et tout, ça donne pas dingue. C'est vrai que faire la chemise ZT, alors là, on gagnerait en street cred. Tous les fans de Zerator seraient en liesse. Faut aller pourrir l'île de Mintos. Ah, Mintos et Eltan, ils ont déjà eu le droit à leur trou de taupe un peu partout. Hein. Je pense que leur patience a des limites. Hein. C'est vrai qu'ils me connaissent depuis plusieurs années, mais tout de même. Alors. Ah, c'est quoi le défi Zeldo? Oh, je parie que c'est les 900 Korogu. Ah, c'est le 100%? Ok. Oui, bon, c'est un peu dans la même veine, quoi. Oh, j'imagine qu'un speedrunner va s'y intéresser, mais même en speedrun, 100% 900 Korogu, même un speedrun qui a routé le jeu à mort, c'est pas genre 20 heures? Ou un truc immonde? Ouais, c'est ça, hein. Ouais, donc si le record du monde fait 20 heures, vous en faites 120, quoi. Youhou! Eh ben, have fun! Mais j'ai pas besoin de pêcher des poissons. J'avais juste besoin de stocker des pommes. Et la prochaine fois que je rejouerai, il y aura des pommes à nouveau. Donc ça va reprendre 1000 ans. Et je vais me faire... Ah mais faudra même que je fasse deux allers-retours parce que je vais me faire trop d'argent. En fait, je pense que avant de faire mon voyage, faudra même que je me mette à zéro clochette. Insane. Je reprends une petite photo pour Zerator, même si ce legging vert est un peu hors propos. Sublime. Et bien voilà YouTube, c'était vraiment très intéressant, comme tous ces streams Animal Crossing. J'espère que tu apprécies cette performance e-sportive. Au revoir.